donc dans notre salle de sport. Oui, parce qu'à Radio Mélodie, on a une bibliothèque, on a une cuisine, on a une salle de sport, on a un cabinet vétérinaire. C'est bien ça. On a un jardin, tout ça, tout ça. Ah bah. Sujet sérieux aujourd'hui, malheureusement, la maladie et ce foutu cancer touchent de plus en plus de monde. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, Sacha, quand on a le cancer, est-ce qu'on peut faire du sport ? Oui, Sébastien, tout à fait. Et c'est même une arme dans la lutte contre le cancer. Alors bien sûr, ça va dépendre de l'état de fatigue de la personne, mais les dernières études, elles prouvent que c'est recommandé de faire du sport et que ça peut réduire de 50% le risque de rechute et ça va augmenter de 40 à 50% les chances de survie. Donc, faites du sport si vous pouvez. Et quels effets aura le sport ? Alors en fait, le sport va avoir tendance à faire baisser l'insuline et les œstrogènes qui alimentent donc les cellules tumorales. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, le sport, ça va permettre de réduire la fatigue, d'éviter la dépression, puis de retrouver un peu de ressources physiques et mentales. Donc on va se réapproprier un petit peu son corps. Et puis on aura le sentiment surtout d'avoir une vie normale pendant un court instant, le temps qu'on fait du sport. Et ça, c'est très important. Alors, quel sport on va choisir ? Alors là, Sébastien, il y a le choix. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Ça va dépendre surtout de ton état de fatigue et puis des douleurs que tu as. Mais tu peux faire du vélo, de la natation, de la course, de la marche, de la musculation, du pilates, du tai chi, du yoga. Tout ce que tu veux. Ce qui est le plus important, c'est de choisir une activité que tu peux faire longtemps. Et puis si un jour tu es fatigué, bah, tu réduis l'activité ou tu arrêtes, tu te reposes et puis le lendemain, tu reprends ton activité. Donc ce qui est important, c'est surtout de s'inscrire dans la durée pour que ça aide vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a des fréquences à faire ? Alors, comme pour tout sport, pour qu'il y ait vraiment un bénéfice, il faut faire un minimum 3 séances par semaine, en général d'une heure c'est possible. Et puis surtout, je me répète encore une fois, ce qui va être important, c'est la durée. Donc les semaines, les mois, essayez de faire au moins pendant 6 mois du sport, à raison de 3 fois par semaine. Et là, ça va vous aider. Voilà, donc c'est vraiment ça qui va augmenter l'effet du traitement pour augmenter les chances de s'en sortir. Et le sport a-t-il un effet finalement sur ce traitement ? Ah ben, tout à fait, hein. Donc le sport va améliorer donc l'effet du traitement, l'amplifier si je puis dire, parce que c'est un traitement en soi, le sport, hein, donc il existe déjà le sport santé, hein, le sport sur ordonnance qui existe, donc ça c'est une première entrée en matière pour les gens qui veulent pratiquer, qui n'ont jamais fait, parce que là justement le sport va être adapté à votre pathologie et puis à votre état de santé du moment. Donc là il faut en parler à son médecin, mais c'est un premier levier, le sport sur ordonnance, parce que ça sera totalement adapté, et là on va vraiment augmenter ses chances de s'en sortir. Voilà. Après le sport ne guérit pas le cancer, mais il aide quand même à aller beaucoup mieux, que ce soit physiquement ou moralement, et ça c'est très important parce que la vie, elle continue malgré tout. Exactement. Voilà. Alors, on termine avec le mot de la fin, Sacha. Alors, si traitement efficace, le sport, il a sa place. Oh, et voilà. Et puis, tu as un petit coup.